Bonjour. Nous parlons de la venue glorieuse du Christ. Nous le faisons à travers le livre de l'Apocalypse. Après avoir montré que l'Apocalypse nous décrivait un vaste exode, nous allons maintenant montrer qu'il y a sept descriptions ou sept annonces de la venue glorieuse du Christ dans l'Apocalypse. Le Christ va venir. Il va venir comme roi. Le Christ est roi parce qu'il est Dieu, parce qu'il est créateur, il est le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu. Mais il est aussi et surtout roi parce qu'il a acquis la royauté grâce à son œuvre rédemptrice. Ainsi vient-il dans sa création et il vient pour nous, pour l'humanité, dont il est le rédempteur. Ouvrons le livre de l'Apocalypse. Les premiers chapitres sont des lettres adressées à sept églises. Or, dans ces lettres, à chaque fois, à chaque église, il est dit que le Seigneur Jésus va revenir et il va donner au vainqueur une récompense. Nous sommes donc bien dans une annonce de la venue glorieuse du Christ. Nous pouvons aussi observer que cette récompense semble devoir être lue sur la terre. La venue glorieuse du Christ, comme nous l'avons déjà remarqué à travers d'autres passages de l'Évangile ou des lettres, des épîtres, va donc inaugurer un temps intermédiaire, imperceptible, sur la terre et qui nous emmène dans l'éternité. Prenons deux exemples. Apocalypse 2, 26. Au vainqueur, il sera donné pouvoir sur les nations. Au vainqueur, il sera donné pouvoir sur les nations, donc sur la terre. Prenons un autre exemple. Apocalypse 3, verset 12. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il s'agit bien d'une réalité mystérieuse, mais encore terrestre, puisqu'il nous est dit à la fin de l'Apocalypse que dans la vie éternelle, il n'y a plus de temple. Dieu est tout en tous. S'il y a encore un temple, eh bien, c'est que nous sommes encore dans la réalité terrestre, même si elle est transfigurée. Il faut donc penser, c'est très délicat, hein, au temps de la venue glorieuse du Christ, il y aura encore le temple, c'est-à-dire la liturgie, notamment l'Eucharistie, et pourquoi pas. La parousie est décrite comme une apparition du Christ. Une apparition, bien sûr, cela touche notre cœur, mais c'est encore extérieur. L'Eucharistie, c'est Jésus qui vient en nous, dans notre cœur. Et donc, cela touche notre intériorité, en même temps que notre corps. Donc, pouvons penser qu'il y aura encore le temple, un temple, une église, l'Eucharistie, etc. En même temps, le verset 12 du chapitre 3 nous dit que le vainqueur va porter le nom de Dieu, le nom de mon Dieu, c'est-à-dire le nom du Père. Autrement dit, Jésus en sa parousie ne vient pas pour nous installer sur la terre, mais il vient pour nous emporter dans l'éternité, auprès du Père. Deuxièmement, après la vision de la liturgie céleste au chapitre 5, commence l'ouverture des sept sceaux du livre scellé. Lorsque l'agneau, nous dit Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2, l'agneau, c'est le Christ, ouvrit le premier des sept sceaux du livre scellé, j'entendis le premier des quatre vivants crier comme d'une voix de tonnerre. « Viens, et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. » Nous pouvons y lire une seconde allusion à la venue glorieuse du Christ. Il est couronné. Il vient pour un jugement. Et c'est pourquoi, après le cheval blanc, viennent les chevaux rouges, noir et verdâtre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves. Autrement dit, il y a bien un jugement qui va venir
Mais ce n'est pas le cavalier blanc, ce n'est pas le Christ qui extermine. Nous le verrons aussi plus tard. Le Christ vient pour vivifier, comme le disait si bien la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 9. Alors, il vient, il est couronné, il est vainqueur, et puis au sixième sceau, le ciel disparut, et les rois de la terre disent « Il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir ?» Chapitre 6. Et puis, chapitre 7, on apprend que certains sont préservés. 144 000 entend Jean. Il entend ce chiffre, mais il voit une foule immense. J'ouvre une parenthèse. Les 144 000 ne sont donc pas ce que disent les témoins de Jéhovah. Ils sont une foule immense. S'il est dit que tous ces gens sont préservés, il n'est pas précisé ce qu'ils deviennent. Nous n'avons pas la précision de la vision de saint Irénée avec le royaume des justes. Est-ce que ces gens vont directement au ciel ou est-ce qu'ils sont dans le royaume des justes encore sur la terre? Troisièmement, donc le septième sceau est une transition avec la prière des saints vers l'image des sept trompettes. Alors, on repart avec des septénaires. Apocalypse 8, versets 1 à 6. Chaque son de trompette initie un fléau. Et puis ensuite, au chapitre 11, nous avons le ministère de deux témoins, revêtus de sacs, c'est-à-dire ascètes, et martyrs. Ils apportent une grâce temporelle passagère. Et puis, le septième ange sonna, la septième trompette. Alors, au ciel, des voix clamèrent, « La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il règnera dans les siècles des siècles. » Manifestement, c'est une allusion, une troisième allusion, à la parousie, à la venue glorieuse du Christ. « La royauté du monde est acquise à notre Seigneur, ainsi qu'au Christ. » La parousie, la venue glorieuse, est bien décrite comme ayant un impact terrestre. C'est la royauté du monde terrestre. Et en même temps, nous sommes dans un processus qui nous emmène dans l'éternité des siècles des siècles. Tout ça en un seul verset. N'oubliez pas, la parousie est un processus, c'est pourquoi c'est un temps imperceptible. Ce n'est pas fait pour durer et en même temps ça a une consistance. La royauté du monde, eh ben, c'est consistant. C'est quelque chose, c'est une réalité pour le monde. Une belle réalité. Une réalité qui doit susciter dans nos cœurs de la joie et de l'espérance. Le désir. C'est une réalité qui donne sens à tout ce que nous faisons dans ce monde. Continue. En même temps que la royauté du monde est annoncée, il y a bien un jugement qui est annoncé. C'est le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Apocalypse 11, 18. Alors ensuite, au verset 19, il y a une vision. Le temple céleste et l'arche d'alliance. L'arche d'alliance qui contient les tables de la loi. Nous aurons à expliquer cette vision. Ensuite, nous avons le chapitre 12 avec le combat de Saint Michel, le combat de la femme qui enfante celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer et le combat des autres enfants de la femme. Apocalypse 12. Le chapitre 14 décrit une quatrième fois la venue glorieuse du Christ. Verset 14 du chapitre 14. « Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille aiguisée. » Donc un fils d'homme, rappelez-vous, Jésus s'appelle le fils de l'homme, une couronne, eh bien, il vient pour un royaume, une faucille, il vient pour un jugement.
il vient d'abord pour un royaume et aussi pour un jugement. Comme au chapitre 6, ce n'était pas le cavalier du cheval blanc qui semait la mort, mais les autres cavaliers. Eh bien, ici, ce n'est pas le Fils de l'homme, Jésus, qui va semer la mort, mais c'est un ange. C'est un ange qui va opérer le jugement. C'est pourquoi nous verrons aussi que le temps est imperceptible, c'est le temps des anges, ce n'est pas instantané. Seul Dieu peut faire quelque chose d'instantané, qui est le passage de la terre au ciel. Mais ici, nous sommes encore sur la terre, c'est pourquoi il y a un royaume. Il a une couronne d'or. Alors, il est fils d'homme. Attention, la parousie n'est pas une nouvelle incarnation. Hein, nous ne sommes pas musulmans. Nous n'imaginons pas que Issa, Jésus, va revenir charnellement sur le mont des Oliviers et sur l'esplanade du temple, ni sur le minaret d'une mosquée de Damas. Non, il ne va pas revenir charnellement pour lever une armée. Il apparaît spirituellement, mais il apparaît comme un fils d'homme. Celui qui va apparaître, c'est bien Jésus qui s'est incarné de la Vierge Marie, qui est mort sous Ponce Pilate et qui est ressuscité. C'est bien notre Jésus. C'est lui qui va apparaître. Cinquièmement, alors nous arrivons au chapitre 15. Le cantique de Moïse et la mer de cristal nous rappelle que nous sommes dans un processus d'exode. Un exode vers l'éternité. Viennent alors, après les sept sceaux, les sept trompettes, maintenant les sept coupes. Le fléau des sept coupes qui s'achève par une cinquième mention de la venue glorieuse du Christ, dans une section qui insiste sur la dimension spirituelle, le combat contre les esprits impurs, et sur la dimension universelle, il s'agit du monde entier. Lisons le chapitre 16, versets 14 à 16. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du maître, maître de tout. Observez bien le lien entre les esprits démoniaques, l'occultisme et la guerre. Il y a peut-être un lien plus important que ce qu'on imagine souvent. Continuons. Voici que je viens comme un voleur. Ben voilà l'annonce de la parousie. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Ensuite, ils les rassemblèrent au lieu dit en hébreu Armageddon. Alors, nous continuons. Sixièmement, après les sept coupes, l'Apocalypse nous décrit le châtiment de Babylone. Babylone, cité puissante, où se rassemblent tous les marchands de la terre, qui sont des trafiquants, non seulement pour l'or et l'argent, mais même pour la marchandise humaine, on voit bien aujourd'hui. Hein. Et alors, Babylone va être châtiée. Babylone avec laquelle ont forniqué les rois de la terre. Apocalypse 17, verset 2. C'est évidemment une image pour évoquer le jugement du monde. Or, cette image s'achève par une sixième annonce du règne du Christ en sa venue glorieuse. Apocalypse 19, versets 6 et 7, on clamait « Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendez gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. » Voyez bien qu'il y a une progression dans ces différentes annonces de la venue glorieuse du Christ. Ce n'est pas toujours le même accent. Ici, l'accent est placé sur le mystère des noces. Celui que nous attendons, le Christ, en sa venue glorieuse, ne vient pas seulement en juge. Nous avons chaque fois souligné qu'il venait d'abord en roi. C'est très positif. Le royaume de Jésus, évidemment qu'on le désire. Le royaume de Jésus, c'est l'Évangile. L'Évangile en grand. L'Évangile avec ses guérisons, ses miracles, ses libérations, ses délivrances, ses consolations, sa justice, son amour, son partage,
son climat de joie, les béatitudes, le royaume de Jésus. La joie. Le jugement, bien sûr. Et ici, les noces, les noces. Rappelez-vous, Jean-Baptiste, l'ami de l'époux est heureux. Ici, son épouse et ses fêtes belles, c'est l'Église qui s'est purifiée à travers les angoisses et les tribulations, toutes les épreuves de l'Antichrist qui finalement ont purifié l'Église et l'ont rendue belle. Belle. C'est un mystère de noces. Alors, on va bien sûr désirer la venue glorieuse du Christ. On n'a pas peur du jugement. On désire le Christ. D'où, septièmement, l'épilogue et la conclusion de l'Apocalypse. La venue glorieuse du Christ est finalement le thème de la conclusion de l'Apocalypse. Voici que mon retour est proche, Apocalypse 22, verset 7. Et le thème de l'épilogue. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entende dise « Viens !» Apocalypse 22, verset 17. La parousie, c'est la venue du Christ, l'époux de nos âmes, l'époux de l'Église. Amen. Merci. Au revoir.